Donc, quel est votre souvenir le plus marquant ensemble? Souvenir plus marquant ensemble, la première fois que j'avais vu Paul au Flash, c'était quand on nous a annoncé, après ma dernière année junior, qu'il allait être quarterback l'année d'après, en fait, alors qu'il venait d'arriver, du coup, ça m'a un peu marqué. Moi, c'est quand je coachais en équipe de France junior. Il faisait partie des mecs potentiels pour l'équipe de France junior et je me dis putain, le mec est bon, faut que je fasse gaffe quand même. Faut que je fasse gaffe à lui. Donc je suis venu le rejoindre pour lui donner des mauvais conseils pour toujours être le numéro 1 au cas où. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au foot US? Bah, j'avais arrêté le sport pendant un an après avoir fait du judo et cherchant un sport où je pouvais m'éclater et courir, rencontrer des nouvelles personnes. Et avant de partir en vacances, j'avais acheté un livre qui s'appelle Eichid. Et du coup, j'ai commencé en cherchant le club le plus proche de chez moi, c'était le Flash. Et en voyant mon premier entraînement là-bas, j'ai apprécié, donc je suis resté depuis et maintenant. Toujours un plaisir de jouer au foot. Moi, c'était à l'école primaire. Il y a un animateur qui est venu faire une séance et il m'a dit que j'en sais bien. Je pense qu'il cherchait des licenciés dans son club. Donc... Et j'ai continué et j'ai jamais arrêté. Voilà, depuis. Une question à poser à ton coéquipier. Est-ce que t'as peur que je prenne ta place pour les World Games? Non. bien sûr que j'ai peur, mais après c'est pas une peur, c'est la compétition qui fait ça. Tant mieux si tu prends ma place, mais je la reprendrai derrière. Très bien. Tu fais combien de séances de musculation par semaine? Ça dépend, généralement 3 fois par jour, 7 jours sur 7, 24-24. Mais en vrai, de vrai, non, pendant la saison, j'en fais 2 quand il y a match, 3 quand il n'y a pas. Et... Prenez exemple. C'est l'avenir. Et hors saison, c'est quand j'ai envie de m'entraîner, je m'entraîne. Quel est le son de ta playlist que tu n'assumes pas du tout? Une réponse en premier. Alors moi, faut savoir que j'ai pas de playlist parce que je suis nul en musique. Mais celle avec laquelle j'aurais pu avoir le plus honte, c'est quand je la chante en plus, c'est I Believe I Can Fly. I Believe I Can Fly. I Believe. C'est terminé, voilà. I Believe, c'est... Elle laisse pas tranquille. Le son que j'assume pas, j'en ai pas vraiment, mais avant les matchs, j'ai des coéquipiers qui aiment bien me charrier en disant que j'écoute du zouk, donc c'est pas grave, j'assume en vrai, c'est bien le zouk. Un exemple aussi. Non, je voulais te mettre de la musique, c'est pour ça. Non, il y a un truc qui est marrant qu'on fait avec un pote, Loïc, qui est pas là d'ailleurs. C'est, on fait genre, on sort lacet, après on danse, après la main elle descend. Et tu fais genre, tu la remontes comme s'il y avait quelqu'un. Mais c'est un truc, c'est un délire. Ah ouais, je vais pas le faire en entier. C'est spécial. Je peux pas faire ça devant la France. Ok, très bien.